Vous savez, souvent nous allons vers le Seigneur pour demander. Très souvent. D'ailleurs, si nous sommes honnêtes, nous admettrons que plus de la moitié des personnes qui sont là cet après-midi, ce soir, sont là parce qu'elles ont des problèmes. Problèmes par rapport à la stérilité, problèmes de stérilité, problèmes de finances, problèmes liés à la santé, à la maladie. Regardez bien. Dans la plupart des cas, nous allons devant le Seigneur parce que quelque part nous sommes coincés. Et très souvent, quand tout va bien, nous n'allons pas vers lui. Et c'est pour cela que vous verrez que la plupart de ceux qui se convertissent au Seigneur Yeshua, ils se convertissent parce que le Seigneur les a coincés. Pendant des années, ils ont mené leur vie, ils ont fait ce qu'ils voulaient, et puis un jour comme ça, ils tombent malades. Ils connaissent un échec au niveau du mariage, et ben là, ils se posent des bonnes questions. Voilà. Et c'est souvent comme ça qu'on arrive au Seigneur. Et c'est pour cela que quelqu'un dans la Bible disait, dans Proverbe, « Seigneur, ne me donne pas beaucoup d'argent, de peur que je ne te renie, hein, donc que je ne t'abandonne, et ne me donne pas non plus la pauvreté pour que je ne rentre dans l'incrédulité en gros. » Voyez, donc... Donc très souvent aussi notre conversion n'est pas souvent authentique, n'est pas basée sur, n'est-ce pas, les vraies motivations. Je vois des cas, des personnes souvent qui viennent nous voir, c'est parce qu'elles sont malades, parce qu'il y en a qui viennent prier pour moi parce qu'il y a un problème avec ma fille, j'aimerais qu'elle abandonne la drogue, tout ça. Mais très peu viennent nous voir pour dire, frère, je viens simplement pour dire merci à Dieu parce qu'il m'a sauvé. Parce qu'il existe, parce qu'il est Dieu. Voyez ? Et c'est même une des raisons pour lesquelles nos prières ne sont pas exaucées. En fait, c'est parce que nous faisons plus de demandes que nous n'adorons le Seigneur. Et attention, l'adoration, ce n'est pas chanter. Hein, pas forcément. Tout le monde chante. Hein, mais ce n'est pas pour autant que Dieu est adoré. Adorer, c'est consacrer, comme vous le savez, sa vie au Seigneur. Et dans le quotidien. Et nous avons vraiment eu à cœur de rendre des actions de grâce au Seigneur. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que Dieu est Dieu. Quoi qu'il se passe, il ne change pas, il reste Dieu. Quoi qu'il arrive, quoi que les gens ne fassent, quoi que les gens ne disent sur nous, Dieu ne bouge pas, il reste Dieu. Et aussi parce qu'il nous a créés. Même si beaucoup de personnes ne sont pas satisfaites de leur existence, de leur vie, mais néanmoins, nous devons être reconnaissants envers le Seigneur parce qu'il nous a créés. Mes amis, si vous allez dans les hôpitaux, vous allez rapidement vous rendre compte à quel point le souffle de vie que nous avons est vraiment important, précieux, parce qu'il y a des personnes qui sont assistées par des machines. Des top modèles, des personnes riches, des pauvres, des belles personnes, des mauvaises personnes, des personnes considérées comme laides par les gens du monde, de tout. Et nous, les gestes les plus qui paraissent, n'est-ce pas, naturels, tels que le fait de fermer, n'est-ce pas, son poing comme ça, de fermer, ces gestes-là paraissent tellement simples, mais pourtant il y en a, ils n'arrivent plus à le faire. Nous passons souvent à côté de l'adoration parce que nous voulons à tout prix, hein, nous voulons d'abord que le Seigneur descende du ciel, qu'on le voit avec de gros cadeaux, avec beaucoup de cadeaux. Et c'est là qu'on va se dire, oui Seigneur, je t'adore parce que vraiment là, je t'ai vu. Mais les choses les plus banales, simples comme ça, là, on n'a pas souvent, mes amis, on est souvent ingrat. Le fait de manger, par exemple. Nous en France, ici, nous mangeons quand nous le souhaitons. Mais quand vous allez en Haïti, vous avez des enfants qui mangent de l'argile. Vous allez en Afrique, vous allez voir des gens qui mangent de l'argile, qu'ils font cuire. Ils mettent un peu de sel et ils mangent cela. Et ensuite, ils vont prendre de l'eau complètement polluée et ils vont boire. Mais nous ici, nous avons tout. On peut manger quand l'on veut. Nos poubelles souvent sont
bien remplis, nos poubelles, pour ceux qui sont pauvres, sont, mes amis, seraient de véritables casernes à Alibaba. Voyez ? Alors, les vêtements, n'en parlons pas. Tout le monde ici a au moins plus de 3 paires de chaussures. Mais vous avez des gens qui n'ont même pas de paire de chaussures, qui marchent à pied, nu-pieds. C'est bien pour le commandement, il faut plus écouter, s'il vous plaît. C'est très, très important, mes amis, de réaliser les petites choses que Dieu fait pour nous. Parce que nous sommes toujours en train de nous plaindre, matin, midi, soir. Ah non, ça ne va pas. Ah non, moi, ça ne va pas. Ah non, moi, ça ne va pas. Pourtant, si on vous dit, allez un peu vivre au milieu des gens qui sont dans la galère, là, Madagascar, en Afrique, en Asie, une semaine seulement, là. Laissez-vous becter, piquer par des moustiques qui sont porteurs du palu. Allez dans ces hôpitaux voir comment les gens sont opérés sans anesthésie. Ce ne sont même pas des hôpitaux. Ah oui. Mais nous, nous sommes couverts socialement. Si nous avons des petits bobos, nous avons nos médecins qui sont là. On a des dentistes, on a des généralistes, on a des cardiologues, on a des ophtalmologistes, tout ça. On est gâtés. Et en plus de cela, on ose descendre dans les rues pour manifester son mécontentement. Oh Dieu! L'espérance de vie ici en Europe, c'est comment? En France, c'est quoi? 72 ans pour les hommes, 80 ans pour les femmes à peu près. Mais vous avez ailleurs, là, il y a des personnes, c'est 30 ans. Vous avez des pays où des gens, des chrétiens, jeûnent pour manger. Ils jeûnent, ils prient Dieu pour avoir à manger. Et que faisons-nous, chrétiens français? Eh bien, nous sommes tout le temps dans les murmures devant le trône de Dieu. Ça ne va pas, Seigneur, ça ne va pas. Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça. Nous avons combien de véhicules? Un couple, 2 voitures. Une pour l'homme, une pour la femme. Et une autre pour les enfants. Et quand on n'a pas de toit, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous commençons à trembler dans tous les sens. On n'a pas de toit, on n'a pas de toit. Pourtant, on a des structures en Europe, en France notamment, pour être logés. Mais tandis que vous avez des gens qui dorment dehors, dans des pays où, mes amis, ils sont, il n'y a aucune structure, rien de l'État pour pouvoir leur venir en aide. Nous, nous disons avoir foi en Dieu. On n'a pas foi en Dieu. Très peu ont foi en Dieu. Nous avons créé un Dieu à notre culture, un Dieu à notre image, un Dieu qu'on a nommé, n'est-ce pas, assistant, hein, c'est ça, non? Social. Quand on nous l'a enseigné, vous savez, quand on était au collège ici, quand on avait des problèmes familiaux, on pouvait aller voir une assistante sociale, tout ça, une conseillère d'orientation, il y avait toutes les structures pour être aidé, voilà. Et l'assistance sociale pouvait facilement te placer, te trouver une chambre, une famille d'accueil. Alors, nous avons créé aussi un Dieu comme ça, un Dieu qui nous assiste socialement. Voilà pourquoi, eh bien, ce Dieu, n'est-ce pas, qui n'est rien d'autre que le diable, a aussi suscité ces ministres qui viennent avec l'évangile de la prospérité. Eh bien, venez à Jésus, donnez vos dîmes, vous aurez l'argent. Mais venez à Jésus, vous aurez des beaux mariages, des grandes maisons, des villas. Venez à Jésus et bien vous allez être riche. Être riche. Bill Gates n'a même pas eu besoin de Jésus pour être riche. Oh Dieu, sauve-nous. Et tous les jours, nous prions, Seigneur, je suis là, est-ce que tu vas revenir pour me prendre? Je dis, mais si je reviens là, tu ne vas pas partir. Tu n'as pas foi en moi. Tu ne me glorifies pas pour les petites choses. Regardez la plupart du temps quand nous prions, c'est toujours, Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi.
donne-moi. C'est comme ça que nous sommes. Vrai ou faux? Seigneur, donne-moi. Donne-moi l'onction, Seigneur. Donne-moi le ministère, Seigneur. Donne-moi le mariage, Seigneur. Donne-moi une maison, Seigneur. Donne-moi ci, donne-moi ça. Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît. Voilà pourquoi nous cherchons des pasteurs pour qu'ils prient pour nous afin de recevoir nos biens sociaux. Et c'est terrible, hein? Plein de pasteurs qui prêchent ce message-là pour vous aider socialement. Mais ce n'est pas l'évangile de Jésus. Ce n'est pas ça l'évangile. C'est pour cela que quand il y a un peu d'argent sur le compte comme ça, là, quand il y a des dons comme ça, 40 000, eh bien, parce que nous avons un Dieu qui est là pour nous aider socialement, eh bien, les 40 000 euros, on dit, mais ça c'est pour moi, ça, parce que j'ai travaillé dans ce ministère, j'ai souffert, eh bien, 40 000, c'est pour moi. Et l'œuvre, on ne l'abattit pas. Et quand on achète quelque chose, c'est le nom du pasteur qu'on met dedans et ses enfants. Dieu est-il glorifié? Dieu est-il magnifié en tant que Dieu? Non, on nous a appris à bénir Dieu une fois qu'on a reçu de lui ses bienfaits. On ne nous a pas appris à bénir Dieu dans la souffrance, comme c'était le cas pour Job. Sa femme qui était une chrétienne selon le monde, hein, une croyante formatée par Babylone, elle bénissait Dieu parce que Job était très riche, parce que ses entreprises marchaient. Et quand le Seigneur a tout ravi, sa propre femme ira voir Job pour dire, mais écoute, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu t'attaches encore à ce Dieu? Pourquoi t'attaches-tu encore à ce Dieu? Même maudis-le et meurs. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens, quand ils ont des problèmes, n'est-ce pas, sociaux, tout ça là, des problèmes par rapport à l'appartement, par rapport à la santé, eh bien, ils abandonnent un peu de critique, ils délaissent tout. Voilà. Oh non, mais qu'est-ce qui leur arrive? Oh non, mais Dieu, il y a la foi, le frère l'a dit, la foi, c'est avoir confiance. C'est connaître effectivement le Seigneur. On ne peut pas avoir foi en Dieu si on ne le connaît pas. Et Dieu se révèle à nous. Nous sommes une génération des lâches, des chrétiens lâches. C'est-à-dire que nous lâchons facilement la vie chrétienne à cause des épreuves. Et d'ailleurs, quand on a les enfants, regardez aussi une autre raison pour laquelle beaucoup de gens ne veulent pas adorer Dieu ni le servir. On prie, Dieu, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. Et puis pendant quelques temps, quelques années, on va attendre. Le jour où on va avoir un enfant, on dit, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Oh non, mais c'est avec les enfants, ce n'est pas évident de prier, tout ça. Voilà. On est en train de dire au Seigneur, tu n'aurais pas dû me donner ces enfants. Quand on était célibataire, il y en a quand ils sont célibataires, ils sont engagés dans la voie du Seigneur. Je ne parle pas du fait d'aller régulièrement dans une assemblée. Comprenez mon message. Je ne parle pas d'une réunion d'église. Je parle de la relation entre toi et Dieu, chez toi d'abord. Il faut qu'on sorte de cette vision-là de bâtiment d'église ou de maison d'église. Il faut qu'on comprenne que Dieu, c'est plus que ça. C'est le royaume. Pas de barrière, pas de limite. Voilà une femme qui était célibataire et qui marchait avec le Seigneur, qui évangélisait partout, qui servait Dieu. Le jour où elle va tomber amoureuse, elle va se marier et puis on va lui demander, mais alors qu'est-ce qui se passe? Depuis ton mariage, on ne te voit plus tellement dans le royaume, tout ça en train d'évangéliser comme avant. Ah mais tu sais, je suis marié, tout ça. Et voilà pourquoi Paul disait, une femme célibataire, elle va s'inquiéter pour l'œuvre du Seigneur, mais celle qui est mariée, parce que Paul connaissait l'homme. Parce que le mari dit, non, non, toi avec ton Jésus, c'est trop, je suis jaloux. Et la femme, pour ne pas perdre son mari, effectivement, n'est-ce pas, elle va commencer à se compromettre. Nous sommes ingrats vis-à-vis du Seigneur. Alléluia. C'est pour cela que c'est beaucoup plus facile pour nous, chrétiens évangéliques, soi-disant, moi je ne me considère pas comme tel, mais c'est beaucoup plus facile pour les chrétiens pentecôtistes, baptistes, évangéliques, tout ça, assemblée de Dieu, tout ce que vous voulez, de payer leur pasteur pour recevoir la guérison. Voyez? De payer pour recevoir la délivrance. Comme ça, ils sont sûrs qu'ils méritent leur délivrance. Comme ça, tout le monde trouve son compte.
Dieu, sous Moïse, il y avait plusieurs offrandes. Mais il y en a une qui était particulière. Offrande d'action de grâce. Regardez, frère, qu'est-ce que nous pouvons offrir au Seigneur? Pour, n'est-ce pas, pour, par rapport à ce qu'il nous donne. D'abord, il t'a donné la vie. Il m'a donné la vie. Il t'a créé, il m'a créé. D'accord? Ensuite, il te donne la santé, il me donne la santé. Même si tu peux être malade, mais tu n'es pas encore mort. Vous avez des gens qui meurent, des enfants, qui naissent, des avortons, alors qu'ils n'ont même pas connu ni leurs parents, ni le Seigneur, ni qui que ce soit. Ils naissent morts. Mais toi, toutes les fois où Dieu t'a épargné de la mort, toutes les fois où tu as fait ces accidents, toutes les fois où nous étions dans le monde, dans le péché, on aurait pu mourir, mais le Seigneur, n'est-ce pas, alors qu'on le refusait, malgré cela, il nous gardait quand même jusqu'à notre conversion. Qu'est-ce que nous pouvons lui offrir en échange? Honnêtement. L'argent, mais l'argent, ce n'est pas ce qui touche le cœur du Seigneur. Encore là, je vous dis, dans cette religion que le diable a créée avec ses émissaires, où on prêche un évangile social qui arrange vos problèmes sociaux, problèmes de mariage, problèmes de santé, problèmes de, n'est-ce pas, de travail, d'argent. Dans cet évangile, dans cette religion, oui, bien sûr, on vous fait croire que si vous donnez de l'argent, Dieu va être content. Mais c'est faux. Dans Luc 21, il y avait un groupe de personnes dans le temple qui faisaient des offrandes. Les milliardaires venaient avec des grosses enveloppes. Jésus, regardez. Si Bill Gates était là ce jour-là, je crois qu'il serait venu avec des langues d'or. Chacun déposait son offrande. Et le Seigneur regardait. Si c'était nos bishops d'aujourd'hui, ils allaient automatiquement nommer ces milliardaires anciens diacres, diaconesses. Il y a une pauvre veuve qui vient avec ses deux pièces, toute son économie, et elle va tout donner à Dieu. Jésus n'a pas apprécié cette femme parce qu'elle a donné de l'argent, mais parce qu'elle a mis sa confiance en Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Waouh! Nos églises sont devenues de loteries. Vous savez la loterie à la française? Dieu devient la loterie. Tu donnes 50, tu auras 500. Tu donnes 500, tu auras 5000. Tu donnes 5000, tu auras 500 millions. Ou 500 000. Et voilà comment on va faire la queue pour donner, parce qu'on croit toucher le cœur de Dieu avec des billets de banque créés par l'homme. Dieu qui est au ciel. Dieu qui a tout créé. Et nous croyons que nous, humains, avec de l'argent, on vient devant Dieu, on dit: Seigneur, voilà, je te donne ça, tu dois me guérir. Job. Job, chapitre... D'abord, avant de lire ce passage-là, lisons Job 39, 38, pardon. La réponse de Dieu à Job. Après les pleurs de Job, après, n'est-ce pas, la condamnation dont il était l'objet de la part de ses trois amis, également de sa femme. Combien de temps Job a-t-il souffert? Dieu seul le sait. Mais en tout cas, à la fin de la souffrance de Job, avant qu'il ne soit rétabli, Dieu va lui répondre. Et regardez ce que Dieu lui dit dans le chapitre 38. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? S'interrant comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Hein? Où étions-nous? Dis-le si tu as de l'intelligence.
Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors, vous voyez ici, Dieu pose la question à Job. Il lui dit quoi? Donne-moi, montre-moi où sont les fondements de la terre. D'accord? Alors les scientifiques sont venus, ils ont dit, eh bien, c'est de la matière noire. Acclamez le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Les fondements de la terre, les scientifiques disent, c'est la matière noire, c'est-à-dire, c'est la matière la plus importante de l'univers. 90% de, n'est-ce pas, de l'univers sont composés de la matière noire. Et il n'y a que 10% que l'on voit là. Et dans ce 10%, on ne peut que voir 4%. Tellement que l'univers est grand. Donc, le fondement du monde, de l'univers, c'est la matière noire. Et les scientifiques disent, c'est pas grave. Les scientifiques disent quoi? Voilà. C'est un peu abîmé à force de l'utiliser. Merci. Les scientifiques disent quoi? Ils disent, ben voyez, la matière noire, elle est invisible, mais pourtant c'est elle qui soutient, n'est-ce pas, les planètes, les galaxies. Mais elle est invisible. On ne peut pas la voir. Donc, vous, vous croyez que la matière noire existe alors que vous ne pouvez pas le démontrer? Vous admettez bien, messieurs les scientifiques qui avaient Bac plus 40, qu'il y a une matière qui existe, mais pourtant elle est invisible. Vous ne pouvez même pas la voir, ni la palper, mais pourtant vous refusez de croire en l'existence du Dieu invisible dont les œuvres sont palpables et visibles. Dieu pose la question à Job. Alors réponds-moi, toi Job, toi le grand, n'est-ce pas, scientifique. La matière noire, elle est invisible. Oh Dieu, qu'est-ce que nous sommes devenus intelligents avec nos bacs plus 40. On nous a appris à raisonner, à réfléchir. Avec les maths, avec les équations. Mais il y a une équation à laquelle on peut pas, qu'on ne peut pas résoudre, cette équation-là. C'est l'équation, n'est-ce pas? C'est la mort. Alors vous qui avez la capacité de résoudre toutes ces équations, maintenant face à la mort, donnez-nous le résultat. Tout le monde est contraint de passer par ce tunnel. Un seul a répondu, a résolu cette équation, a résolu. C'est qui? C'est Jésus. On peut l'acclamer. Un seul a résolu cela. C'est pour cela quand il est allé devant Pierre, devant la tombe de, n'est-ce pas, Lazare, quand il a voulu résoudre cette équation, même Marthe, la sœur de Lazare, a dit, Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est dedans, il sent déjà. Même sa propre sœur. Le Seigneur dit, ôtez la pierre. J'ai la solution. Job est en train de discuter avec Dieu ici. Il est en train de se faire sermonner, corriger, redresser, enseigner correctement. Regardez. Regardez. Verset 7. Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, qui a fermé la mer avec des portes? Donc on apprend que la mer a des portes. Quand elle s'élança du sein maternel, quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes. Oh Seigneur, oh Seigneur. Regardez, verset 30, chapitre 39. Chasses-tu la proie pour la lionne? Et apaises-tu la faim des lionceaux quand ils sont couchés dans leur tanière, quand ils sont en embuscade dans leur repère? Qui prépare au corbeau sa pâture quand ses petits crient vers Dieu? On apprend que les oiseaux adorent Dieu, demandent leur nourriture au Seigneur. Il n'y a pas que nous, hein?
Mais au moins, eux, ils chantent, ils glorifient Dieu. Quand ils ont faim, ils crient vers Dieu. Dieu leur envoie la nourriture. Ensuite, ils chantent. Nous, nous faisons comme les 10 lépreux. Seigneur, guéris-nous. On est guéri. Et les 9 lépreux ne reviennent pas pour adorer. Et vous savez qui c'est qui était revenu? Un étranger. Un samaritain. Qui n'était même pas enseigné. Il est revenu, il s'est mis à genoux pour adorer Dieu. Un jour, on apprend que dans Jean 6, les Juifs cherchaient le Seigneur. Ils ne l'ont pas vu, ils ont pris leur barque. Ils sont allés à sa recherche. Quand ils l'ont trouvé, ils ont voulu le faire roi. La parole nous dit que le Seigneur s'est sauvé, s'est éclipsé. Et quand ils le retrouvent, ils lui disent, Rabbi, depuis quand es-tu ici? Le Seigneur leur dit, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez bu et mangé et tout ça. Ils ont transformé Jésus en restaurant, resto du cœur. Vous savez, beaucoup de gens vont dans les assemblées juste pour manger. Il y a des assemblées où ils savent qu'il n'y a pas Dieu là-dedans. Alors, ils ont trouvé des stratégies. C'est la nourriture. Ou c'est le vin. À midi, pile, la réunion finie. Tout le monde peut aller dans un petit coin et puis, voilà. On peut boire, on peut manger. Ça, c'est leur Jésus. Voilà. Il y a beaucoup d'agapes. Oh, Seigneur, sauve-nous. Regardez. Le verset, chapitre 40, verset 20. Est-ce qu'on peut le lire tous à haute voix, s'il vous plaît? 1, 2, 3. Prendras-tu le crocodile à l'hameçon? Saisiras-tu sa langue avec une corde? Voyez, c'est pas possible. Dieu parle de la nature, maintenant des animaux. Il est en train de se servir de la création, l'univers, la terre, les animaux, les oiseaux, les poissons, pour instruire Job. Vous savez pourquoi? Parce que nous, humains, nous sommes tellement préoccupés par nos problèmes que nous n'accordons pas assez de temps à la création pour admirer l'œuvre du Créateur. Tellement que nous sommes portés, nous sommes attachés, à focaliser sur nos problèmes personnels. Nous sommes devenus idolâtres de nos problèmes. On est tellement en train de gémir tout le temps. Oh, mon problème, hein, mes problèmes, hein, mes problèmes. Quand est-ce que tu as rendu des actions de grâce au Seigneur à cause de tes problèmes? Quand est-ce que tu te dis, je veux jeûner 2 jours, 3 jours à cause de mes problèmes pour dire simplement merci à Dieu? Vous savez pourquoi on n'est pas exaucé? Parce qu'on est trop focalisé sur nos problèmes au lieu de donner gloire au Seigneur pour qu'il agisse. Pourtant, on le dit, hein, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais quand on est dans les tourments, dans les problèmes, la première réaction, c'est de prendre le micro, le téléphone, pardon, et d'appeler son ancien ou son pasteur. Pasteur, s'il te plaît, comme toi, tu es plus connecté que moi, écoute, interviens auprès de ton Dieu. Non, on n'est plus à l'époque de Moïse, hein, où le peuple disait, toi, parle à Dieu, mais qu'il ne nous parle plus. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Dieu est en toi, il est en moi aussi. Ah. Si tu me dis, frère, va prier ton Dieu, moi je dirais, mais hey, ton Dieu, il est où? Est-ce qu'il est en toi? Oui, mais prie-le aussi. Oh Dieu, sauve-nous, hein? Que Dieu nous sauve, n'est-ce pas, frère? On a besoin d'être complètement libérés de la religiosité. Hum? Et arrivé dans le chapitre 40, regardez, le verset 2, lisons-le à haute voix. 1, 2, 3. 41, pardon, verset 2. 41, verset 2. Job, 41, verset 2. 1, 2, 3. De qui suis-je le débiteur? Je le payerai. Waouh! Écoutez, écoutez, chrétien. Chrétien évangélique. Dieu dit... Il dit quoi, Dieu, ici? Non, je n'ai pas entendu. De qui suis-je le débiteur? Et je le payerai. OK. Non, moi, Dieu me doit 10 000 euros. Lève ta main. Et il dit qu'il va te payer tout de suite. Quand nous sommes nés comment? Trouvez-moi un enfant qui est né avec une banque.
Même si tu es l'héritier de ton père, même si tu es né dans une famille riche, mais le jour de ta naissance, tu es venu nu. Ça, c'est pour te montrer que tu es venu pauvre. Voilà. Tu étais habillé avant la chute d'Adam et Ève, mais depuis la chute, nous naissons nus. Je suis convaincu qu'avant la chute, si Adam avait eu un enfant avant la chute, l'enfant serait né habillé. La gloire de Dieu, oui, bien sûr. Et la première chose, quand un enfant vient au monde, qu'est-ce qu'on fait? Il faut rapidement l'habiller. Il fait froid, c'est l'hiver, il fait froid, tout de suite, couche. Ah! Voilà. Même la couche, là, si on vérifie son origine, c'est Dieu. Mm-hmm. Tout! Les vêtements que nous avons, là. Oh non, c'est Yves Saint Laurent. Oh, c'est un tel. Mais oui, mais tout ça, là, ça vient d'où, là? Oh, le parfum, ça vient d'où, là? Ils vont souvent à Madagascar, là-bas, pour chercher la vanille. Hein? Ben oui, et ça sent la vanille. Dieu dit alors, venez tous, les riches, là, venez. Bill Gates, tout le monde, allez, faites l'accueil ici. Alors, dites-moi maintenant, là. À qui dois-je de l'argent ici? Aucun. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut demander des choses au Seigneur. S'il ne le donne pas, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Voilà. Oh non, j'ai demandé un mariage, il ne m'a rien donné. Mais il fait ce qu'il veut. Depuis des années, je prie tout ça et je ne vois rien. Est-ce que tu penses que Dieu te doit quelque chose? Attends, voilà comment nous sommes. Dis à ton voisin, c'est grave. Nous devons nous repentir. Amen. Qui sent qu'il faut qu'il se repente? Psaume 115, lisons-le à haute voix. Aujourd'hui, on va tous nous allons tous nous repentir. Moi le premier. Il n'y a pas que vous. Hein. Croyez pas que quand je prêche comme ça, je ne prends pas ma part parce que moi-même je suis enseigné. Depuis que je prie, les autres avancent. Moi je n'avance jamais. Je tourne en rond. Est-ce que Dieu t'a dit que quand tu allais prier, tu allais changer? Et tu allais être mieux que les autres sur le plan financier? C'est ce qu'il t'a dit? On va retrousser nos manches ce soir. Là. Nous allons régler nos affaires, là, tout ça, là, avec l'incrédulité, avec le péché. Psaume 115, verset 3. Psaume 115, verset 3, à haute voix, tous ensemble. 1, 2, 3. Notre Dieu est au ciel. Il fait... Non, je n'ai pas entendu. Notre Dieu est au ciel. Et il fait tout ce qu'il veut. Waouh! Eh bien ça, c'est une découverte. Hein? Notre Dieu est au ciel. Ça commence bien. Il n'est pas au Vatican. Il n'est pas à Lourdes. Il n'est pas à Jérusalem sur le mur de lamentation pour que les pasteurs évangéliques aillent encore prier là-bas. Ils disent à leurs chrétiens, eh ben, écrivez des petits mots sur des bouts de papier. Nous allons faire le pèlerinage à Jérusalem et nous allons mettre dans des petits creux là-bas. Hein? Vos papiers, parce que là-bas, on se lamente. Non, ce n'est plus le temps de se lamenter. Se lamenter, frère. C'est le temps de se réjouir en Christ. Parce qu'il vient. Notre Dieu n'est pas sur terre. Il est là-haut. Et l'auteur ici dit, il fait. Tout ce qu'il veut. Il n'a pas dit que Dieu fait ce que nous voulons. D'ailleurs, il y a des livres qui sont écrits. Comment faire bouger le bras de Dieu par la prière. Hein? Faire mouvoir le bras de Dieu parce que pour eux, leur Dieu est Alzheimer. Donc du coup, comme il est tellement dans la tremblote, quand vous priez, le ciel tremble. Donc du coup, sa main peut bouger comme ça. Là. Non! Je veux dire des choses qui vont vous choquer. Ce n'est pas parce que tu vas prier, jeûner que Dieu va agir. Non. Dieu a tout accompli avant ta création. L'agneau de Dieu a été immolé dès la fondation du monde, avant que Satan ne soit créé en tant que chérubin. Quand Jésus, il y a 2000 ans, a dit tout est accompli, on était où? Dans le tout accompli, il y a tout. Ton salut, ta guérison, ta restauration, ton mariage, tout. Est-ce que tu étais déjà là? Non. Donc vous voyez bien qu'il fait tout ce qu'il veut. Il n'est pas obligé de te guérir, de me guérir. Il peut permettre à ce que tu meures avec cette maladie parce qu'il veut te sauver comme ça. Paul avait un problème de vue. Il a dit aux Galates, vous auriez pu vous arracher vos yeux pour me les donner. Pourtant, il avait une grande onction.
Ah, Dieu! On nous a présenté un faux Dieu. Un Dieu avec la barbe blanche. Il est un vieillard, un vieux père. Hein? Un grand-père, il est fatigué. Du coup, Michael, je crois que Louise là est en train de pleurer. Oh, s'il te plaît, vraiment, elle a poireauté quand même des années, s'il te plaît. Est-ce que tu peux lui donner son cadeau quand même? Parce qu'elle n'arrête pas de m'embêter ici. Oh non, moi je croyais que... Tu croyais quoi? Que quand tu allais te convertir, tu n'allais plus être attaqué, hein, tout le monde allait t'acclamer, et que tu allais avoir du travail, que tu allais partout où tu serais parti, les portes seraient ouvertes naturellement. Ah ben c'est le contraire ce qui se passe. Tu te sens seul, tu es dans la solitude, tout le monde te critique, n'est-ce pas? Et tu deviens comme dépassé. Eh ben oui, c'est comme ça. Moi, je ne veux plus prier. Je ne veux plus là-bas. Voilà, moi, je ne veux plus toi. Encore de l'orgueil, encore de l'ego. Moi. Il y a encore le moi là. Je. Dieu a dit quoi? Il y a trop de moi. Moi. Le Seigneur a dit, celui qui s'aime plus que moi n'est pas digne de moi. Jésus a quitté le ciel. Il est venu vivre au milieu des païens, au milieu des prostituées. Toi et moi là, dans les ordures pour nous sauver. Et toi, tu es tellement saint, sainte, que non, je ne peux même pas saluer telle personne. Même... Oh, pharisien. Oh, il y a trop de pharisiens et de pharisiennes. Parce qu'il y a aussi des femmes qui ont adhéré au pharisaïsme. Amen. Qui a besoin d'être sauvé ce soir? Oh, je crois que nous tous, frères et sœurs. Hein? Wow. Hein? Quand on est un tout petit peu titillé comme ça, là, notre orgueil prend un coup, on sort de ses gants. Moi. Et là, on sort des psaumes, hein, des versets qu'on connaît par cœur. On commence à balancer la parole. Bam, on envoie le feu. Ou encore, on nous a enseigné à aller devant le trône de Dieu avec la Bible. Hein. Vous savez, Dieu, si vous voulez le prendre au piège, donc prenez sa propre parole. Vous pouvez facilement le lier, vous voyez. Alors, venez devant le trône avec la Bible. Dites, Seigneur, c'est écrit, là, tu vois, non? Tu dois me bénir parce que c'est écrit. Tu l'as dit, Seigneur. Vous savez, parce qu'on nous a dit que Dieu était, n'est-ce pas, il avait des problèmes de mémoire. Donc du coup, il faut tout le temps lui rappeler sa parole parce qu'il oublie souvent. Ah ben, Michael, oui, Père. Est-ce que c'est écrit quelque part? C'est vrai que ce qu'il dit là, non, mais c'est vrai que c'est écrit dans Luc chapitre 10. Oui, c'est écrit, tu l'as dit. Oh, j'avais oublié. Ben, donne-lui, s'il te plaît. Dieu dit, je me suis révélé à ceux qui ne m'invoquaient pas. Regarde comment nous sommes. On rentre en jeûne et prière. 2 jours à sec. On ne mange pas, on ne boit pas. Et on est convaincu que pendant ces 2 jours de jeûne à sec, Dieu va nous parler en vision pendant le sommeil. Regarde comment on a planifié notre programme. Nous allons nous repentir. Et on jeûne. Et puis la nuit, on dort. On dit, ce soir, tu dois me parler. On dort. Au lieu de recevoir la vision tant attendue, rien. On se lève le matin, on se réveille en colère. Je ne veux plus prier. Méditer la Bible aujourd'hui, je ne veux pas méditer. Je ne veux pas méditer. Je suis en colère. Moi, poussière, de l'argile, mortelle. Je me mets en colère contre Dieu Tout-Puissant parce que j'ai des choses à lui reprocher, n'est-ce pas? Frère, oui, pourquoi tu ne médites plus la parole? Non, parce que tu sais, j'ai prié pendant des années quand même, je suis déçu, je suis dégoûté, je n'en peux plus. Et pourquoi? Oh, parce que je suis déçu des églises. Non, en fait, tu n'es pas déçu des églises, tu es déçu de Dieu. En fait, c'est comme si tu dis, Dieu m'a déçu. Ah bah oui. Je lui ai tout donné. Je lui ai donné mon temps. Pendant 10 ans, je lui donnais 2 heures par jour. Tout ça pour récolter quoi? Voilà, cette étiquette qu'on m'a collée dessus, sorcier. Alors moi, c'est fini, j'en veux plus. J'ai eu ma dose.
Et Dieu convoque Job. Job, oui, père, viens. Job se présente devant le Seigneur. Il dit alors, regarde la nature. Il ouvre les yeux. Et Job voit la nature autrement. Waouh! Il dit, regarde, t'as vu le crocodile là? Est-ce que tu peux l'attraper avec un hameçon? Non. T'as vu l'hippopotame? Oui. Dieu dit, c'est ma première créature. Ah bon? Il t'a vu comment sa peau est dure? Oui, Seigneur. T'as vu les moustiques? Oui, Seigneur. Ils sont petits, n'est-ce pas? Oui, mais pourtant, ils vous embêtent. Que tu sois roi, que tu sois souverain, que tu sois président, tout le monde est embêté par les moustiques. Ils ne craignent pas ta position, ton titre, ta richesse. On acclame Jésus, frère. Les mouches, oui Job, t'as vu les mouches? Les mouches ne connaissent pas, oh, palais de l'Elysée, il ne faut pas rentrer, oh, il y a des gardes, ça rentre. Et aucun président ne peut dire, faire des reproches à ces gardes, gardes-corps. Mais pourquoi avez-vous laissé rentrer cette mouche qui m'embête ici, tout ça qui vient toujours se poser sur ma, n'est-ce pas, mon gâteau d'anniversaire? Job, t'as vu ça? Ça c'est moi. Vous fermez une maison à clé. Toutes les issues, vous fermez tout. Vous allumez une lampe. Vous la laissez 2-3 jours. Vous allez voir des petites bêtes qui vont. Mais ça sort d'où là? C'est rentré comment là? Job, ça c'est moi. Job s'est repenti. Il s'est repenti. Seigneur, pardon. À mon mari. Dieu dit oui. Donc tu es en train de dire que je n'aurais pas dû créer l'homme. À ma femme. Tout le temps, tous les jours, du 1er janvier au 31 décembre, tu n'as que ce mot-là dans ta bouche. Mon mari. Voilà, Dieu dit, ben, tu resteras avec le mon mari. Quand j'étais en Martinique, j'ai dit un couple, j'ai dit un frère, j'ai dit, vous ne voyez pas qu'à chaque fois qu'on vous voit, c'est toujours le même problème. Notre fille. Il dit effectivement, le frère me dit, oui, effectivement, parce qu'à chaque fois, les gens nous ont surnommés comme ça. Le couple a problème, toujours, c'est, ah, ma fille, ah, notre fille, ah, non. Depuis que je vous connais, c'est toujours la même chanson. Ah, non, qu'un jour, je vous entends dire, oh, que Dieu soit béni pour notre fille. Parce que par elle, Dieu nous brise. Non, je sais que j'ai 29 ans, 20, 30 ans, je ne suis pas encore marié, alors 31 ans, tout, c'est comme si tu es en train de dire au Seigneur, là tu te trompes là quand même, là, mon ami, là, attends quand même, là il faut t'activer là. C'est pour cela le jour de l'enlèvement, il y aura des surprises. Quand la trompette va retentir, on va chercher un tel, mais il n'est plus là, c'est parti, il est parti. Oh mais, et moi alors? Dieu dit, mais viens. Regarde le film de ta vie, tous les jours, plainte sur plainte. Quand est-ce que tu as rendu des actions de grâce au Seigneur? Quand? Pour ce que tu as déjà reçu de sa part, la vie, la santé, tu as en toi? Est-ce que tu as rendu des actions de grâce au Seigneur? Est-ce que je le fais? Tu as un travail? Il y en a qui n'arrivent pas à en avoir. Qu'est-ce que tu as que les autres n'ont pas? Regarde bien. Je crois que si tu fais la liste des choses que tu as, tu vas arrêter de te plaindre. Tu as des cheveux, non? Il y a des femmes qui n'ont plus de cheveux. Elles dépensent beaucoup d'argent pour que ça repousse. Mais c'est fini, c'est parti. Ça tombe. Donc du coup, c'est toujours des mèches sur mèches ou des... Voilà. Tissage. Tu as tes dents, mais il y en a qui n'en ont plus. Tu ne portes pas de lunettes, il y en a qui aimeraient bien les enlever. Malgré ça, on ne voit pas ce qu'on a. Vous savez pourquoi? Parce qu'on envie les autres.
Nous sommes envieux. Jacques dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire vos passions. Ah, je veux que mon fils ait un grand diplôme. Pourquoi? Parce que tu as vu le fils de ta copine avoir son diplôme. Du coup, tu mets la pression sur ton fils. Oh Dieu, aie pitié. Seigneur, 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 oui, tu peux venir à la barre. Pourquoi? Eh bien, parce que j'estime que tu ne m'as pas créé correctement. Eh bien, je dois corriger ton travail. Mmh. Comment? Eh bien, parce que j'aurais voulu que tu me crées avec des yeux verts. Eh bien, parce que tu ne l'as pas fait, ben je prends des lentilles vertes. Voilà. On voit une sœur black avec des yeux verts. On disait, je crois que c'est une maladie de naissance. Non. Elle est en train de corriger Dieu. Dieu, oui, je veux te corriger. Pourquoi? Tu m'as créé trop blanc. Voilà pourquoi je dois tout l'été bronzer. Pendant l'hiver, eh bien, il y a des centres. Voilà. Et puis on voit un Français de souche, il est complètement bronzé. Tout ça. Est-ce qu'il est maghrébin? Est-ce qu'il est métis? Oh non, non, il a corrigé Dieu. Ok. Dieu, oui, tu m'as créé trop noir. Voilà pourquoi je veux rattraper les Européens. Je suis devenu trop... Il est tout blanc. Mais bizarrement, les mains sont toutes noires. Acclamons le Seigneur, frères et sœurs. Oh Seigneur, sauve-nous. Nous sommes chrétiens. Je crois que si Paul était au courant de tout ce qui se passe actuellement dans nos églises, il se retournerait dans sa tombe. Pierre, Jacques et Jean. Très honnêtement. Et c'est pour cela que le Seigneur a dit à la fin de temps, la foi va disparaître. L'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Cette doctrine des démons, on le voit aussi, pas seulement dans les églises, hein, mais nos scientifiques, là, frères et sœurs, ce sont des enseignants, ils ont une doctrine. Les astrologues, c'est des enseignants, ils vous parlent de là, n'est-ce pas, des démons qui sont là, qui régissent l'univers et qui, voilà, c'est terrible. Les marabouts, les voyants, les philosophes, c'est des enseignants, les soufistes, chez les musulmans, les sophistes chez les Grecs, ils développent des théories qui peuvent vous faire croire, vous faire, comment douter de Dieu. Et les gens s'attachent à ces choses. La doctrine de Darwin, par exemple, des hommes s'attachent à cela. Et la foi, c'est-à-dire l'évangile véritable qui annonce la mort et la résurrection de Jésus, cet évangile-là, les gens le tournent en dérision. Cet évangile qui veut que les hommes se repentent pour se préparer pour l'enlèvement, pour le retour du maître. Non, on n'en veut pas. Les actions de grâce. C'est tout ce que Dieu voulait ici avec Job. Apprenons à rendre des actions de grâce à Dieu pour toutes choses. Nos enfants sont en bonne santé. Quelle grâce. Rendons grâce au Seigneur. Si nos enfants sont malades, que Dieu soit béni. Rendons grâce à Dieu. Alléluia. Parce que les enfants que nous avons, c'est Dieu qui nous a prêtés. Donc, ils ne nous appartiennent réellement pas. Hein. Ils appartiennent au Seigneur. Waouh.
qui se rend compte qu'il a beaucoup condamné Dieu. Les actions de grâce se croient. Quoi que Dieu permette dans nos vies, quels que soient les problèmes, quels que soient les combats, les biens et les mauvaises et les bonnes choses qui peuvent nous arriver, la première réaction que nous devons avoir en tant que chrétien, c'est quoi? C'est de fléchir les genoux. Et de dire, Seigneur, tu as permis cela. Je ne parle pas de ceux qui pêchent volontairement et qui sont frappés et qui subissent les conséquences de leur péché. Mais quoi qu'il se passe, quoi qu'il t'arrive, quels que soient les problèmes dans lesquels tu peux te retrouver, toi, enfant de Dieu, la première réaction, c'est de fléchir les genoux et de dire, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Vous savez quoi? Si vous agissez ainsi, vous allez, mes amis, faire honte à l'ennemi qui s'attend toujours à ce que nous maudissions le Seigneur quand on est confronté à des difficultés. Vous voulez apprendre à glorifier Dieu réellement? Premièrement, craignez Dieu. Craignons Dieu. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Ne faisons pas les choses avec des intentions de nuire les frères et sœurs. Bien que nous sommes tous sujets à des faiblesses, nous commettons des erreurs tous. Mais néanmoins, ne faisons pas les choses dans le but de nuire aux autres. Non, Dieu n'aime pas cela. La crainte de Dieu, c'est ce respect que nous sommes appelés à avoir. Nous devons avoir vis-à-vis du Seigneur, de la révérence. C'est le fait de dire, j'aime tellement Dieu que je refuse de pécher parce que je sais qu'il va avoir mal. Son cœur sera blessé, alors je refuse. D'accord? Ça c'est le premier pas dans l'adoration, dans les actions de grâce. La crainte de Dieu. Ensuite, c'est le fait de remercier Dieu. De remercier Dieu pour toute chose. Quoi que nous fassions, quoi que Dieu fasse, quoi que Dieu permette dans nos vies, on fléchit les genoux et on dit, Seigneur, merci. Paul dit, c'est de lui. C'est par lui et pour lui que sont toutes choses. D'accord? Frère, si nous faisons des choses, si nous voyons des frères et sœurs guéris, nous voyons le Seigneur donner les finances pour acheter des locaux pour son œuvre, pour abriter, n'est-ce pas, des, je sais pas, des télé de vie, radio de vie, ce n'est pas. Qu'avons-nous fait, honnêtement? Qu'avons-nous fait? Quand je pense à la manière dont ce ministère a été décrié, combattu, des gens qui ont fait des vidéos pour dire, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, tout s'arrête, tout est fini. Voilà, vous n'allez plus entendre parler de ce message, c'est fini, c'est réglé. On livre ce monsieur à Satan. Frère, il y a eu tellement de temps de turbulences. Je ne dis pas que c'est fini. Mais, quand nous voyons ce que Dieu fait aujourd'hui, le nombre des nations que Dieu touche, Africains, Antillais, Européens, des personnes de l'Asie, le nombre de frères et sœurs que Dieu touche, les îles, frères. Oh non, je voudrais aujourd'hui le dire haut et fort devant le trône du Père, devant les anges puissants, n'est-ce pas, qui accomplissent ses ordres, qui exécutent ses ordres, et devant le monde entier, des frères et sœurs qui nous suivent, devant l'Église, que la parole de Luc 17 et 10 est vraie. Cette parole qui dit, vous donc, quand vous aurez accompli tout ce qu'on vous a dit, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Et je tiens à le dire, que je suis de la poussière, je ne suis que de la poussière et un serviteur, un esclave de Jésus, un esclave inutile, qui ne mérite aucune acclamation, aucun remerciement. Et je tiens à dire aux frères et sœurs, toutes les belles paroles que vous nous donnez, quand vous venez nous voir pour dire, frère, merci pour votre fidélité, je vous dis, ce n'est pas nous qu'il faut remercier. Et nous prenons toutes ces paroles, nous les enlevons de nos têtes,
nous plions nos genoux devant nos cœurs, devant le Dieu dont le seul nom fait trembler l'univers. Celui qui mérite toute la gloire, et nous lui disons, c'est toi qui mérites cela, et on peut l'acclamer, frères et sœurs, pour cela, au nom de Jésus. Toute la gloire revienne au Seigneur. Pourquoi ? Frère, je ne veux même pas dire non, on a souffert, on mérite. Non. Oh, j'ai souffert pour ce travail. Non, c'est pas nous. Il y a quelqu'un qui a payé le prix, qui a dit tout est accompli. Ne l'oublions jamais. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Dieu disait aux Hébreux, dans Lévitique 3, Lévitique 3 et Lévitique 7, il disait, par rapport à l'offrande d'action de grâce, cet animal qui était ainsi offert au Seigneur devait être entièrement consumé par le feu. C'était la seule offrande qu'il ne fallait pas toucher. Consumé par le feu, offrande de l'Holocauste. Pardon, l'offrande de l'Holocauste, cette offrande-là. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est quoi? C'est que quoi qu'il fasse dans nos vies, quelle que soit la connaissance qu'il nous donne, quelle que soit l'onction qu'il peut mettre sur nous, que nous lui offrons nos vies. C'est la vraie offrande que Dieu veut. Plus Dieu t'élève, plus il t'utilise, plus tu dois lui dire, Seigneur, je t'offre tout. Ça, c'est l'Holocauste. Et l'Holocauste nous parlait de l'œuvre de la croix, la mort de Yeshua. Alléluia! La sœur au fond là-bas, qui dort, peut la réveiller. Merci. Tu vas bien? Dieu est bon. On peut zoomer, quelle que soit la distance, parce que nous veillons sur vous. Amen. L'Holocauste. Ensuite, l'action de grâce. Après avoir offert cet holocauste au Seigneur, consumé par le feu, il y avait l'action de grâce, le remerciement, le fait d'être reconnaissant, la reconnaissance. Dieu aime cela. Cette offrande-là, Dieu ne prenait que la graisse. La graisse. Vous savez pourquoi la graisse? On sait tous, hein? Ésaïe 27, 10 nous dit que la graisse va briser le joug. La graisse, l'onction, la puissance. Ça vient de Dieu, c'est lui. On lui rend toute la gloire. Toute cette puissance qui nous accompagne ne vient que de lui. Cette capacité qui nous permet de faire avancer le royaume ne vient pas de nous. Paul le dit dans Corinthiens. Il prenait la graisse. Le sacrificateur qui offrait cet animal prenait l'épaule et la poitrine. Et la personne qui a amené cet animal prenait le reste. En fait, l'offrande d'action de grâce en hébreu, shlem, nous parler, a été une préfiguration de l'ensemble de l'œuvre de la croix ou encore de la Sainte-Cène, le repas du Seigneur. Quand nous prenons le repas du Seigneur, nous sommes reconnaissants par rapport à l'œuvre de la croix, notre propre délivrance, rédemption. Et nous devons être reconnaissants. Frère, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Et quand les frères et sœurs ont commencé à soutenir financièrement le travail, je pouvais dire au Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Je te donne ma vie, je te l'ai donnée, je veux te la donner tous les jours. Mais avec cet argent-là, qu'est-ce que je peux encore faire? Parce qu'un jour, nous sommes appelés à partir. Si le Seigneur ne revient pas d'ici là, quoi que nous croyons qu'il revient là, eh bien, il faut que des générations futures, nos enfants qui sont nés dans l'Évangile, perpétuent le travail. Que les nations continuent à entendre ce message. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que le royaume avance? Prendre cet argent, le mettre dans la poche, l'utiliser pour nous-mêmes? Non. Et dire que oui, je mérite cet argent parce que j'ai travaillé, parce que j'ai souffert? Non, ça c'est de l'égoïsme. Mais non, Seigneur, c'est du vol. Nous ne voulons pas de cela. Seigneur, nous prenons cet argent et nous voulons prendre ce lieu pour qu'un travail se fasse. Frère, écoutez, nous croyons aux églises, dans les maisons par rapport à la persécution qui se pointe.
Mais nous croyons que ces églises-là seront plus dans la rue, dans les parcs, dans la nature, plutôt qu'enfermées quelque part. Mais pourquoi ces locaux? La Bible que vous voyez entre mes mains et les Bibles que vous avez entre vos mains, elles sont bien éditées quelque part. On ne les édite pas dans les rues. Il faut des structures pour permettre à l'œuvre, à la mission de se faire. Eh bien, Seigneur, nous voulons te confier ce lieu avec l'argent que tu nous donnes pour que ton nom soit glorifié, que des nations viennent se former pour aller diffuser cet évangile partout, que des Bibles soient imprimées pour diffuser massivement la parole dans toute la France, dans tous les pays francophones. Seigneur, nous voulons te rendre ainsi des actions de grâce au travers du travail, de l'œuvre de ton esprit dans nos vies. C'est pour cela que nous ne voulons pas mettre nos photos ici et là pour ne pas être vus, bien que nous faisons des vidéos. Mais nous ne voulons pas nous afficher quelque part, ni dans notre journal, le Documos, ni quelque part. Nous voulons présenter aux gens le Dieu à qui toute la gloire doit revenir. Frère, je ne vis que pour cela. En fait, la chose que je demande le plus au Seigneur, c'est quoi? Seigneur, permets qu'au travers de ma vie sur terre, ton nom soit glorifié. C'est tout. Je veux être agréable, c'est tout. C'est la chose que je demande tout le temps au Seigneur. Ce n'est même pas l'argent, c'est même pas la mort de mes ennemis, pas du tout au contraire, que Dieu les sauve. Mais Seigneur, je veux qu'au travers de ma vie, que ton nom soit glorifié. Parce qu'il, en fait, pourquoi Dieu est Dieu? Il est Dieu et parce qu'il est Dieu. Voilà. Il est Dieu aussi parce que nous l'adorons. Mais tout Dieu mérite la gloire, vrai ou faux? Pourquoi Satan veut-il être adoré? Parce qu'il est le Dieu de ses adorateurs. Mais pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Et voilà pourquoi quand nous adorons Dieu, nous disons au monde entier, voilà, Dieu est là, Dieu existe. Et c'est pour cela que nous l'adorons. Regarde, quand tu seras devant le Seigneur ce jour-là, tu vas lui dire quoi? Seigneur, au travers de ma vie, ton nom a été glorifié. Oh, quelle grâce! Pourquoi Dieu a-t-il accepté qu'on l'appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob? Parce que ces trois patriarches ont rendu des actions de grâce. Regardez Abraham. À chaque fois que Dieu se révélait à lui, il bâtissait un autel. Action de grâce. Noé sort de l'arche. Il bâtit un autel. Il offre au Seigneur un holocauste. Il y a eu des actions de grâce. Dieu a senti une bonne odeur, du parfum, et il a béni la terre. Oh Dieu, je veux te rendre des actions de grâce par ma vie sanctifiée, par mon couple, ma famille soudée, par la sanctification que tu me donnes à vivre. Et avec tout ce que tu me donnes, je veux que ton nom soit glorifié. Frère, oh là là. Vous savez, les gens dont les vies honorent Dieu sont très dangereux. Parce que quand vous touchez à Dieu directement. Je vous dis, hein? Vous voulez que les sorciers tremblent devant vous, frères et sœurs? Soyez des adorateurs, soyez de ceux-là qui rendent toute la gloire à Dieu. Toute la gloire. Posez des actes qui honorent Dieu. Parce que nous sommes des producteurs de preuves. Il a préparé des œuvres d'avance afin que nous le pratiquions, frère. Entrons dans ces œuvres-là. C'est le Shabbat. Oh mon Dieu. Et le diable a peur des chrétiens dont la vie est sacrifiée à Dieu, consacrée à Dieu, dont la vie est constamment sur l'autel, comme Isaac. Parce
Parce qu'une personne dont la vie est sur l'autel de la croix, consacrée à Dieu, frère, c'est une personne dont la vie répand l'odeur de Christ. Dégage l'odeur de Christ, le parfum de sainteté, le parfum de sanctification. Et gare à ceux et celles qui veulent toucher ces personnes-là. Parce que Dieu se lève à chaque fois. David était un homme qui rendait gloire à Dieu. Il livrait des grandes batailles. Et quand il remportait les victoires, il prenait le butin de la guerre. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait l'or et l'argent. Il le consacrait à Dieu. Oh, quel cœur! Et Dieu dit, c'est l'homme selon mon cœur. Parce que David pensait d'abord à Dieu. Et Dieu se dit, moi qui suis Dieu, tout puissant que je suis, et riche que je suis, et voilà cet homme pense toujours à moi, cette femme pense toujours à moi, frère. Tes ennemis peuvent se lever partout dans le monde entier, se liguer contre toi pour détruire ta vie, ta famille, ta femme, tes enfants, ton mari, ton ministère. Ils peuvent se liguer. Mais parce que tu es une personne dont la vie est constamment en train de louer Dieu, de magnifier Dieu, ils vont tomber tous. Et tu seras toujours debout. Et ils diront, tu es sorcier. Tu es sorcière. Intouchable. Et Dieu dira, ne touchez pas, mais ouais. Jesus Christ. Ouais, c'est-à-dire mes messies. Des hommes et des femmes dont la vie est transformée par le Mashiach. Le Mashiach. Le Mashiach. Le Mashiach. Le Mashiach. Le Mashiach. Quand les gens te verront, feront Jésus au travers de ta vie, ils ne vont plus te reconnaître. Ils diront, c'est toi ou c'est pas toi? Parce que tu as changé, parce que tu as refusé le péché, parce que tu refuses la compromission. Tu refuses de convoiter les femmes, les hommes. Tu refuses de te compromettre. Tu refuses la compromission. Tu es consacré à Dieu comme Samson depuis le ventre de ta mère, depuis ta conversion. Tu as livré ta vie à Dieu. Tu veux que les sorciers ne t'attaquent plus comme avant? Tu veux qu'ils ne puissent plus t'atteindre? C'est simple. Donne ta vie totalement à Dieu. Qu'elle soit un sacrifice d'une agréable odeur. Oh, alléluia, d'un parfum agréable. Et si tu deviens à Dieu, si tu appartiens totalement à Dieu, c'est des actions de grâce qui monteront devant le Seigneur. Nuit et jour, matin, midi, soir, des actions de grâce. On va te critiquer, tu vas toujours adorer. On va te calomnier, tu vas toujours adorer. Personne ne pourra te perturber. Aucun pasteur, aucune parole, aucune menace, aucune menace, aucune menace ne pourra te faire taire. Aucun pasteur, aucun parent, aucun homme, personne. Ils vont te faire la guerre. Tu seras toujours en train de méditer la parole, en train de prier. Ils vont te critiquer. Tu seras toujours là en train de méditer la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu vas obéir à la parole de Dieu. Oh, Saint-Esprit, merci pour ce feu. Merci pour ce réveil. Jesus Christ. Des actions de grâce. Ce n'est pas ton argent que tu veux. Ce n'est pas ça l'action de grâce. C'est ta vie. C'est ta vie. Dieu te donne à gérer 10 000 personnes. Au lieu de les garder avec toi, tu les prends. Tu vas avec ces hommes devant Dieu. Ces hommes et ces femmes. Et tu dis, Seigneur, je te les offre. Je te les offre. Ne me suivez plus, suivez Dieu. Et toi, tu te caches de temps à autre. Dieu aime ça. Tu vas gagner les âmes, tu les amènes non dans une église, mais tu les amènes dans le royaume de Dieu. Comme Philippe a pris à gagner le nuque éthiopien, il a laissé Dieu. Philippe a continué sa route. L'action de grâce, tu offres des chrétiens, des hommes à Dieu. Oh Père, Dieu te donne les moyens et tu achètes des Bibles. Tu les diffuses, tu les distribues. Il te donne les moyens, frères, sœurs, et tu bâtis l'œuvre de Dieu. Tu bâtis l'œuvre de Dieu pour marquer ta génération. Pour marquer ta génération. De sorte qu'après ta mort, ton ministère continue à gagner les âmes dans le royaume du Père Céleste. Oh Dieu,
Je ne mourrai pas avec la vision que tu m'as donnée. La vision va continuer à élever ton nom. L'œuvre continuera à prospérer, frère. C'est ça la vision que Dieu veut pour toi. L'action de grâce. Il t'a donné un ministère. Il t'a donné des dons. Il t'a donné des grâces. Dons de chanter, de jouer. Tu dois produire des œuvres qui honorent Dieu. Des albums qui honorent Dieu. Des chants qui glorifient Dieu. Qui vont être, alléluia, diffusés même 200 ans après. 300 ans après. Les actions de grâce qui honorent le Créateur. Où sont ces hommes et ces femmes dont, mes amis, la seule, alléluia, vision est de voir leur Dieu adoré sous toutes ses formes, magnifié par les nations, adoré par les Maghrébins, par les Européens, par les Arabes, les Noirs, les... Oh Seigneur, donne-nous cette occasion, frère. Mon Dieu, nous verrons ces choses, frères et sœurs. Et quand je vois les nations se lever pour adorer Dieu, je dis, Seigneur, alléluia, je ne suis pas encore satisfait. Non. Action de grâce. Oh Dieu, quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Marie, une fois qu'elle a traversé avec les Hébreux la mer rouge, Marie prend son tambourin. Myriam commence à louer, à chanter ce cantique de racheté, le cantique de Moïse. Oh, il faut que tu reçoives des chants nouveaux pour Dieu. Même si tu n'as pas une belle voix, là n'est pas le problème. Dieu veut que tu le chantes. Comme la Sulamite, alléluia, Dieu veut ce chant qui vient de ton cœur, de ton âme, dans sa présence. Alléluia, Dieu sera touché par ton attitude, parce que malgré ta souffrance, au lieu de suivre Satan, au lieu d'obéir à Satan, au lieu d'abandonner la foi, tu es là devant son trône et tu lui dis, Seigneur, malgré les combats, malgré les épreuves, je ne t'abandonnerai jamais, je ne lâcherai jamais jusqu'au bout. Seigneur, je serai avec toi. Oh mon Dieu, sa gloire se répand ce soir pour réveiller ta mémoire. Pour réveiller tes dons. Il réveille des ministères qui étaient cassés, étouffés. Il réveille, il ravive ta vie chrétienne, ta vie de prière, ta vie de prière. Dieu la réveille ce soir. Les hommes t'ont déçu, mais Dieu ne déçoit jamais. Ne l'oublie jamais. Les hommes t'ont abandonné, mais Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il a dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai pas, ma fille. Jesus. Il t'a donné de belles paroles qu'il n'a pas respectées. Mais Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole pour la réaliser, pour la matérialiser, pour la concrétiser. Oh, alléluia. Ce que Dieu t'a promis, il l'accomplira. Ce qu'il t'a promis en vision, en songe, il l'accomplira. Tout dépend de toi. Ma fille, mon fils, fils d'Abraham, héritier, héritière. Voilà comment Dieu t'appelle, héritier, héritière. Personne ne peut te bloquer. Ne crois plus ces pensées de Satan qui veulent te faire croire que Dieu, personne, quelqu'un t'a bloqué. Toi qui crains Dieu, personne ne peut te bloquer. Toi qui aimes Dieu, personne ne peut t'arrêter dans ta marche. Jesus. Oh bien-aimé, sais-tu que tu appartiens à la famille céleste? Famille de Dieu, avec comme frère aîné Jésus-Christ, le roi des rois. Alléluia, quel privilège. Merci Seigneur. Personne ne mérite.